Soul on the beat. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment tu peux facilement faire des guitares coupées décalées. Donc, si tu me découvres par le biais de cette vidéo, qui je suis Paul Favor, jeune beatmaker, entrepreneur et formateur sur la plateforme paulfavorbeat.com. Ok, donc là, je prends quelques minutes aujourd'hui pour t'expliquer rapidement comment tu peux facilement faire des guitares coupées décalées. Là, je vais faire une mélodie qui m'a été envoyée par un artiste. Il m'a demandé de faire une mélodie genre. Donc c'est un truc comme ça que je vais essayer de faire là maintenant. Je vais te montrer comment tu peux facilement faire des guitares. J'ai su aller dans Hypersonic 2, j'ai pris un shamisen et puis là j'ai déjà un peu quelques notes. Donc on va écouter ensemble ce que j'ai déjà eu à faire. Maintenant ce que je vais faire, je vais essayer de jouer déjà quelques petits accords. Donc ici, je vais descendre d'un octave. Ici, tu vois, on est en E5. Donc, je descends en E4. Voilà, je mets une note là. J'augmente légèrement la vélocité. Mais la vélocité, en fait, c'est ça. Ça ne doit pas être au même niveau que la note principale, quoi. Donc, tu vois un peu, je baisse la vélocité et puis je complète là ici. E5, E4, voilà. E4, donc E5 encore. Et ensuite, on a là ici. E4, voilà. Donc cette note-ci aussi, je vais augmenter un peu la vélocité, puis je vais l'agrandir un peu comme ça, voilà. Ok. Donc ici, on a une note en A5, donc j'ai la possibilité de jouer en A3, je vois ce que ça donne, voilà. Voilà, A5, A3, A3 encore, puisque A5 encore. Tu vois, quand tu as des stratégies comme ça, c'est très facile. Voilà, ensuite, ici, on a une note en G5. Donc, je peux soit jouer en G3. Voilà, je mets encore une note ici. Puisque là, on va revenir soit en A5 ou bien on peut s'amuser. Voilà. Tout simplement. Ok, donc là, je vais agrandir un peu ici, comme ça. Donc là, c'est une batterie. J'ai déjà joué une batterie, donc c'est tout simplement. Donc j'ai pris dans snare, purity, voilà, drum, snare. Ensuite, j'ai joué quelques batteries à l'intérieur. Donc j'ai pris une note ici. Ensuite, une deuxième note là. Tu vois, tout simplement. Ensuite, ici, j'ai pris un instrument de basse d'FL Studio. Voilà. Donc, tout simplement, j'ai joué déjà quelques batteries ici. Et puis, j'ai pris un kick qui est disponible dans le pack Afrobeat. Donc, j'ai déjà essayé de jouer une batterie avec, tout simplement comme ça. Ok, donc maintenant qu'on a une base de chamisette, maintenant on peut s'amuser un peu à jouer quelques guitares. Donc, je m'en vais tout simplement, je copie les notes ici, voilà. Je copie cette note-ci, voilà, et maintenant je prends une guitare. Donc, je vais prendre cette guitare-ci, chrono électrique dans Purity, voilà.
Donc maintenant, je crée une pattern guitare électrique. Tout simplement. Voilà. Et puis, je vais essayer de m'amuser un peu avec. Donc, je m'en vais au piano roll de la guitare. Je peux essayer de coller d'abord les notes pour voir ce que ça donne. Donc, une fois que je colle les notes, je descends un peu d'un octave. Voilà. Donc là, je peux déjà essayer de jouer une sorte d'accord de guitare. Voilà, je crée une pattern, accord guitare. Voilà, tout simplement. Et puis je dépose ça ici, comme ça. Donc je m'amuse déjà un peu à jouer quelques accords. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais agrandir un peu ici comme ça. Voilà. Voilà. Donc là, je peux m'amuser aussi à agrandir un peu déjà les accords de guitare, tout simplement. J'ai agrandi un peu ici comme ça, voilà. Puis je duplique tout simplement la première guitare. Je vais mettre ça ici. Je vais baisser ça, voilà. Voilà, et là je vais mettre cette guitare basse-ci. Voilà, une guitare basse que je prends dans Purity, basse guitare. Donc là je mets cette guitare. Et je la mets à E5 pour respecter les octaves, tout simplement. Voilà. Donc je vais activer cette track-ci. Donc à ce niveau, je peux me permettre d'ajouter quelques kalimbas. Tu vois, tout simplement, je mets quelques kalimbas ici. Donc, je dépose ça ici comme ça. Maintenant, j'ai un kalimba. Donc, je peux m'amuser aussi. Piano roll. Voilà. Toujours les mêmes notes, E5. Voilà.
Ok, donc là, comme il y a une guitare qui fait, on va mettre aussi une note ici en kalimba qui va faire, tu vois un peu, pour que ça aille dans le même sens, quoi. Voilà. Donc, pareil aussi ici, on va mettre une note là, mais on va baisser la vélocité des notes, de ces notes là. Voilà, tout simplement. Voilà, donc ta leçon commence ici comme ça. Maintenant, c'est à toi d'être sage, de savoir que quand ça commence, tu dois t'imposer à ton entrée. Donc ici, on va doubler une guitare. On va soit mettre une guitare. Il y a une guitare que j'avais déjà jouée ici. Donc, on va écouter un peu ça. Voilà, donc on va jouer ça. On va voir ce que ça donne. Donc là, et pour ajouter encore un peu de piment, on va remettre le shamisen, voilà. Donc, et comme conseil que je donne à tous ceux qui suivent des formations chez moi, il faut toujours savoir que lorsqu'il y a des roulades comme ça, tu dois couper la guitare pour accentuer la roulade, pour que la roulade puisse être bien écoutée, pour que tout le monde puisse bien sentir ta roulade, pour que ta roulade puisse s'imposer dans le son. Voilà, donc c'est comme ça. Voilà. Voilà, donc tu vois, c'est comme ça. Je crois que là, on a joué quelques guitares devant toi. Tu as vu comment c'est assez facile. Donc, si tu veux en savoir plus sur les beats coupés décalés, je t'ai préparé un programme qui est une série de 13 vidéos qui vont te permettre de pouvoir comprendre et avoir les stratégies et techniques faciles qui te permettent de pouvoir faire facilement et rapidement tes beats coupés décalés. Le programme concerne les jeunes beatmakers, que tu sois débutant ou amateur. Voilà, donc ça ne sert à rien de vouloir croire qu'on connaît beaucoup de choses. Pourtant, il y a des stratégies faciles et simples qui permettent de réaliser des beats assez facilement et rapidement, comme tu as vu. Donc, grossièrement, ce programme, il est fait pour tous ceux qui veulent se passer au niveau supérieur. Donc, je t'invite à télécharger la première vidéo du programme. Elle est disponible dans la description. C'est gratuit. Clique juste dans le lien dans la description. Voilà, donc grossièrement, je crois que je t'ai tout dit. On se prend de l'autre côté. Ciao!